Je me sens persécuté. Ok, donc on va partir en Bedwars pour tester la souris, donc la Razer Vapor Mini en Ncam du coup. Donc ouais, je vais parler un peu plus des specs de la souris, donc j'ai la boîte qui est là. Donc voilà, après c'est ultra légère, donc c'est écrit dessus 65 grammes, pardon. Avec un câble, le Razer c'est le Hyper Speed, je crois qu'ils appellent ça, c'est les câbles en lacets comme la plupart des souris qui sortent, enfin la plupart des souris récentes en fait. Après, oui, donc elle pèse 61 grammes. Avant, j'avais une G502, du coup ça tourne un peu. Et vraiment, bah, la taille, on voit à peu près la différence. Maintenant, là, la caméra, on voit pas beaucoup. Mais vraiment, une légère différence de taille. Mais surtout, la différence énorme, c'est de poids. Parce que la G502 qui fait de base 110 grammes, donc ça change vachement. Après, on peut écouter, ça c'est écrit la G502. Et la Razer Vapor, du coup. Ouais, on peut voir, c'est pas du tout pareil. Je vais reposer l'autre souris. Les clics, c'est vraiment pas pareil. Mais du coup, la Razer Vapor, dedans, c'est des clics. J'ai acheté des épées en pierre qui allaient aussi. Des switches dedans, c'est des switches qui marchent avec des lasers. Alors, c'est des switches optiques du coup. Les nouveaux switches de chez Razer. Que vous aurez si vous achetez une souris assez récente ou même un clavier. Parce qu'on entend vachement mon clavier aussi d'ailleurs. Non mais pas comme ça, mais... Incroyable. Alors faut dire que c'est ma première partie de la journée, donc c'est un peu galère. Après sinon la souris pour cliquer elle est vraiment pas mal. Genre les clics ils sont assez légers, même si le bruit... Je sais pas comment expliquer, mais le bruit il donne pas du tout l'impression. Genre... Quand on clique on a l'impression que le clic il est assez dur. Ça fait assez bas de gamme, mais franchement, non, c'est vraiment pas mal. Oh, je suis bloqué par l'arbre. Bon, un peu perdu. Celui-là. Régler. Oh, en plus, il me suffit les presque pas mal. C'est pas mal ça. Du coup, ouais, la souris elle est vachement légère. Après, elle est pas mal. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Elle est... On sent qu'elle est solide, mais en même temps, à son poids et au matériau, on dirait vraiment un jouet. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si c'est pour la version un peu plus grande. Du coup, parce qu'il existe plusieurs versions, donc là c'est la mini, il existe la Razer Vapor 8K Hz, je crois, avec un capteur ou un temps de réponse plus élevé, je sais plus du tout. Et après, il existe la version sans fil. J'ai pris celle-là honnêtement parce que j'avais pas envie de dépenser énormément, sinon j'aurais pris une Modelo, je pense. Celle-là, je voulais vraiment la tester. Je pense que son seul point négatif qu'on peut noter, c'est que vraiment elle double-clique pas quoi. mon Discord. On a l'impression que. Enfin, vraiment, sinon elle aurait été parfaite, surtout vu sa forme. Oh, tout de suite elle est rush.
Non mais quel imbécile. Quel imbécile. C'est pas possible. Bon, je pense que là, je suis pas assez réveillé pour jouer au Bed Wars. Je pense qu'on va changer de mode de jeu parce que. Et je vais surtout me taire pour jouer en. Avec le son du clavier de la souris, je pense que je vais décaler mon micro pour qu'on entende mieux. Et après, ce sera du coup la fin de la vidéo. Voilà. Yeah.